Bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo que je vais qualifier de friandise. Vous allez voir pourquoi. Avant de rentrer dans les détails, j'y pense. Pensez à vous abonner, je radote, mais je fais comme tout le monde. Et puis en parler autour de vous, je trouve que c'est pas bête. Vous allez voir un sujet assez étonnant. Je vous avais montré il y a quelque temps un T3 que Seb, mon associé, avait vendu à un de ses clients avec un loyer encadré. Et un prix réduit, puisque son client l'a acheté, ce T3. Il a acheté un T3 neuf au prix de l'ancien. Je vous ai montré pourquoi. Je vous ai fait un comparatif avec des ventes dans l'ancien, dans le même périmètre, à 500 mètres près. Donc, je suis très objectif. Et là, chose amusante, ce programme, il est en fin de commercialisation en Pinel. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé un T2 à vendre. Alors, rappelez-vous, hein, le T3 de Seb, il vaut 210 000 euros. J'ai trouvé un T2 à vendre dans le même programme, en Pinel, à plus de 230 000 euros. C'est-à-dire que le T2 est plus cher que le T3 de Seb. Alors par contre, oui, le T2, il a une réduction d'impôt. Mais est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est l'objet de ma vidéo et vous allez voir que quand je vous ai parlé de friandises, on va se marrer un petit peu. C'est parti, je vous montre les bases de l'étude. Alors, les bases du comparatif, c'est quoi? Le T3 de Seb, donc il a été payé 210 000 euros, c'est le même que sur le marché de l'ancien, dans son secteur, dans la ville et autour à 500 mètres près. Donc le Pinel, en Pinel métropole, bien sûr, hein, parce qu'on est dans une ville du sud de la France, en métropole. J'ai mis 300 000 euros, le T2 il est à 5 200, c'est le 2 dont je vous ai parlé juste avant, il est à 5 200. J'ai mis 5 000 pour le T3, juste parce que, voilà, on est sur le plafond de réduction d'impôt, 300 000. J'ai fait exprès, hein. J'ai pas dépassé le plafond volontairement, même si on peut supposer que, vu le prix du T2, le T3, à mon avis, il dépasse. Mais peu importe, j'ai pris 300 000, ce qui est réaliste, on va dire. Donc le loyer, alors forcément, on a un loyer encadré d'un côté, donc je vous rappelle qu'il y a un effort à faire pendant 6 ans. On est à 517 euros par mois, mais là, on est en zone A. Donc le loyer du Pinel, il est à 844 euros par mois. La taxe foncière, bah, c'est la même, hein, c'est la même que l'étude précédente, hein, je ne vais pas revenir dessus. Je l'ai mis en mensuel pour vous montrer le décortiquage de l'effort de trésorerie. Les frais de gestion, donc les frais d'agence plus l'assurance, loyer impayé, 10%. Donc réduction d'impôt pour le T3 de Seb, bah, il n'y en a pas. Enfin, il y a un avantage fiscal, mais je ne rentre pas dans les détails, ça ne donne pas une réduction d'impôt, ça gomme l'impôt, on va dire. Voilà. Par contre, bien évidemment, l'autre, c'est du Pinel. Il est au maxi à 300 000 du plafond de déduction, de réduction d'impôt Pinel. Donc, ça vous donne une réduction d'impôt de 500 euros par mois. Donc, il y a une belle différence, hein, au niveau du loyer. Et il y a une réduction d'impôt qu'on n'a pas sur le côté gauche. Par contre, forcément, il y en a un qui vaut 210 000, l'autre qui vaut 300 000. Donc, le crédit, même avec un différé de 12 mois, il y a 926 d'un côté et 1317 de l'autre. Mais est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà ce que ça donne au niveau des flux. Donc pour ceux qui ont suivi, 517 c'est le loyer, moins 67 la taxe foncière ramenée en mensuel, moins 52 c'est les frais de gestion, hein, 10% des 517, j'ai arrondi à 52, 10% ça fait 51,7, donc j'ai arrondi à 52, plus 0, bah, c'est l'avantage fiscal, il n'y en a pas, enfin il n'y a pas de réduction d'impôt, moins 926 le crédit. Et de l'autre côté, on a un loyer plus élevé, 844, la même taxe foncière, 67, moins 84, c'est frais de gestion, c'est logique, c'est 10% avec un loyer plus élevé, donc il y a un peu plus de frais de gestion, mais plus 500, puisque ça, c'est le gain fiscal de la réduction d'impôt. Alors attention, c'est du brut, parce que derrière, il y a aussi une imposition sur les loyers que je ne vais pas avoir de l'autre côté. Mais je ne développe pas pour l'instant. Moins 1317, parce que ben, forcément, j'ai emprunté 300 000 ou 210 000, donc j'ai un loyer. Un crédit plus important, une mensualité plus importante. Donc, ce qui fait que le T3 de Seb demande un effort de trésorerie de 528. Je vous ai mis le réel, hein, au niveau de la convention avec l'État. On a gratté un petit peu quelques avantages fiscaux au niveau de la fiscalité des loyers. Et de l'autre côté, on est à 124 en théorie. Mais je vous l'ai signalé juste avant. Les loyers sont imposables, il y a une partie des loyers imposables, on est en revenu foncier, donc il y a une partie qu'on repère, une partie de la réduction d'impôt qu'on repère dans l'imposition des loyers, impôts plus prélèvements sociaux, voilà,
Là, je crois dans l'exemple, c'est 30% le taux marginal d'imposition du client et 17,2 en prélèvements sociaux, on est pas loin de 50% d'imposition sur les revenus fonciers imposables. J'espère que vous me suivez, hein, parce que c'est toujours. J'essaye de ne pas être trop technique dans mes vidéos, mais bon, faut bien parler des choses comme elles existent. Donc là, j'ai un engagement de 6 ans dans le premier cas pour Seb, mais j'ai un engagement de 9 ans pour le Pinel Métropole. Après les 6 ans, donc je vais avoir exactement le même cas de figure, hein. Le loyer, je vais le passer à 1000 euros, parce que c'est l'objet de l'étude que je vous avais montré, hein. En location meublée, on est à 1000 euros. Taxe foncière plus frais de gestion, ça fait 167. Le crédit, bah, il est toujours à 926. Alors pourquoi 167 taxes foncières et frais de gestion? Les frais de gestion, c'est 10% du loyer, je vous rappelle. Donc 10% de 1000, ça fait 100, plus la taxe foncière, 67, 167. Faut toujours être précis, hein. J'espère que vous me suivez. C'est toujours un peu laborieux de faire une vidéo pour expliquer des choses comme ça, parce que le temps est compté. Quand je commente une étude avec des clients, on se fait une visio et on y consacre vraiment du temps. Mais bon. Donc le crédit moins 926. Résultat, mon effort de trésorerie là, après les 6 ans, je suis à moins 93 en théorie, hein, je vais vous montrer le détail après. Et après les 9 ans pour mon Pinel, bah, j'ai toujours mon loyer de 1000 euros, j'ai toujours, bah, du coup, j'ai le même loyer, donc les mêmes taxes foncières et même frais de gestion, mais bah, oui, j'ai un crédit de 1317 au lieu de 926, donc vous voyez la différence, hein. J'étais gagnant pendant la phase Pinel, mais là, pff, douche froide, douche froide, j'ai presque 400 euros d'écart, quand même. Donc après cette petite présentation sommaire, je vais rentrer dans le détail, parce que j'ai fait une étude, encore une fois. Je vais vous montrer une étude très détaillée, millimétrée, comparant les deux. C'est parti, on y va. Donc ce que vous voyez là, c'est le tableau de trésorerie du T3 de Seb. J'aime bien dire ça. T3 de Seb, sur les 6 ans de loyer encadré, donc on a un effort de trésorerie à peu près à 40 000 euros qu'on va rattraper ensuite, comme vous allez le voir. Maintenant, vous avez le même appartement en Pinel. Donc effectivement, il y a une différence parce qu'il y a la réduction d'impôts. Je rentre pas dans le détail de toutes les lignes, hein. Voilà, on est à 30 000 euros d'effort de trésorerie net. Là maintenant, c'est la partie où on va faire la différence. Alors j'ai repris la même étude, je vous avais fait la vidéo, hein, j'ai repris le même, hein, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que vous voyez en jaune surligné, là j'ai un renouvellement complet du mobilier tous les 8 ans. Je sais pas quelle mouche m'a piqué, mais parce que c'est du neuf, hein, donc voilà, il n'y aura pas de travaux majeurs. Et si vous changez le mobilier tous les 8 ans, faut demander des comptes à votre locataire, ça veut dire qu'il vous a saccagé le logement. Hein. Mais bon, peu importe, j'ai gardé la même étude que celle que j'avais faite. Donc ça, c'est dans la phase en meublé. Donc forcément, là, on écrase le prix de revient. Là, vous avez tout le détail année après année, grâce à ce passage en location meublée. Vous allez voir le Pinel, j'ai fait les mêmes hypothèses, hein, exactement la même chose. Donc voilà, j'ai un prix de revient, mais vous l'aviez déjà vu dans la vidéo précédente. 83 000, c'est le prix de revient au terme du crédit, avec mes deux fois 8 000 là, de renouvellement de mobilier quand même, hein, et un loyer net au terme à un peu plus de 10 000 euros. Donc je dis bien net, tout déduit. Vous voyez dans la ligne en bas, les 15 000 et quelques de crédit, moins les 3 500 et quelques de frais, charges et taxes foncières, moins les 1 690 à la fiscalité sur les loyers. Donc c'est bien du net. Maintenant, celui-là, c'est le même, mais en Pinel. Donc, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est la même chose, le loyer c'est le même, les frais et charges c'est les mêmes, sauf qu'il y a le crédit change un petit peu. Donc du coup, bah, vous avez un prix de revient. Que vous allez qui va s'alourdir en fait du fait qu'effectivement vous l'avez. Je vous rappelle, hein, le T3 de Seb il vaut 210 000, en Pinel ça vaut 300 000. Donc forcément, en location meublée, bah, vous allez reperdre une bonne partie de ce que vous avez gagné grâce à la réduction d'impôt, mais on le verra après, on va faire un comparatif. Donc voilà, 128 000, presque 130 000 euros, 128 900, c'est le prix de revient en bas à droite, au cumul, le prix de revient au terme du crédit. Et 12 000 et quelques, c'est le loyer net perçu au terme du crédit. Pourquoi il est plus important? C'est parce que là, dans la ligne en rouge, l'avant-dernière colonne, forcément, comme vous avez un crédit plus lourd et des intérêts d'emprunt déductibles plus importants, vous avez une fiscalité sur les loyers moins importante aussi.
Et vous allez voir que ce n'est pas suffisant pour faire la différence. Voici maintenant la synthèse chiffrée, détaillée. Enfin non, la synthèse, c'est pas détaillée du T3 de Seb. Donc pendant la phase loyer encadré, effectivement, il y a un effort à fournir, puisqu'on a un loyer très bas. 40 000 euros, ça fait 478 euros par mois en net, hein, toujours pareil, moi je fais toujours des études en net, net, hein, tout déduit. Le coût total, alors avec mes 16 000 euros d'aléas, je mets sur du neuf, parce qu'encore une fois, effectivement, si vous avez 16 000 euros de travaux pendant la durée du crédit, vous n'avez pas de bol, parce que y a un problème, hein, y a un problème. Donc c'est pas normal, mais bon, je l'ai laissé comme ça. Donc 83 000 euros, c'est le prix de revient. Ça fait un effort de trésorerie mensuel moyen à 267 et un loyer net au terme, tout déduit, à 847. Donc je vous laisse quand même regarder le truc. Hein. C'est 847 le loyer net encaissé pour un coût total à 83, 85 000 euros. Voilà, c'est assez saisissant. Et maintenant, voilà, j'ai ajouté le Pinel pour pouvoir les comparer. Donc, vous venez de voir les chiffres clés du T3 de Seb, maintenant en Pinel. Alors, effectivement, pendant la phase de réduction d'impôt, indicateur période Pinel, là, le chiffre clé dans le tableau du bas, hein. Effectivement, j'ai un effort de trésorerie moins important, j'ai 250 au lieu de 478. Mais je vais le payer plus tard, puisque j'ai un prix de revient à 128 000, 100, presque 130 000 euros, et j'ai un effort de trésorerie. Vous voyez, c'est le même appart, hein, enfin c'est le même. Oui, c'est le même logement, sauf que la fiscalité n'est pas la même, et j'ai eu la réduction d'impôt du Pinel, mais je l'ai payé beaucoup plus cher. Donc j'ai un effort de trésorerie mensuel moyen à 412 au lieu de 267, et j'ai pas un gros gap sur le crédit, hein. J'ai quoi? J'ai 150, 170 euros par mois de différence pour pas. J'allais dire 200, non, on n'est pas à 200 d'écart, on doit être à 100, 150, quelque chose comme ça. Mais c'est assez saisissant, hein. Donc ça remet en cause un peu cette histoire de Pinel, où l'investisseur, il ne voit que par la réduction d'impôt. Il y a parfois mieux à faire, comme vous le voyez ici. Bon, vous avez vu que je vous avais pas menti, hein, c'est une friandise. Oui, on sort des sentiers battus, mais parce que le rôle du conseil, c'est d'essayer de trouver des solutions intéressantes et rentables pour ses clients. Voilà, c'est pas du standard. Et vendre du Pinel parce que c'est du Pinel, il y a une réduction d'impôt et que c'est sexy et l'investisseur il aime ça, bah, c'est une façon en fait d'endormir l'investisseur. Sauf dans certains cas, hein, je vous ai parlé de Pinel Dom par exemple, Pinel Outre-mer, mais là vous voyez qu'effectivement, en réfléchissant un petit peu, on arrive à trouver des solutions intéressantes. Au niveau patrimonial, c'est ça qu'on attend de nous, constituer du patrimoine efficace à moindre coût et à moindre risque. Voilà. Donc j'espère que je vous ai encore intéressé. Pensez à vous abonner et puis et liker la vidéo, enfin le pouce vers le haut s'il vous plaît, pas vers le bas, si vous trouvez mes propos intéressants. Et puis je vous dis à nouveau, pardon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.